L'interview du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, nous parle du retour de l'émission Défense citoyenne sur ORTM1. L'officier supérieur aborde aussi la montée en puissance des FAMA sur le terrain. Par rapport à cet éditorial, moi je peux que vraiment le supporter et puis me réconforter de tout ce soutien que l'ORTM est en train d'apporter aux FAMA dans le cadre de nos missions. Les forces armées maliennes aujourd'hui travaillent conformément à la vision de nos autorités politiques de la défense et de la souveraineté du Mali aujourd'hui. Sachant que la défense et la sécurité représentent un pan très très important de cette souveraineté, les autorités ont mobilisé beaucoup de ressources. Il s'agit principalement de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Et dans ce domaine, on a vu l'augmentation de la grille indiciaire, on a vu aussi l'augmentation de la prime d'opération. Il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées dans le cadre des opérations. Il s'agit d'un cadre de transit, principalement à Sévaré. Il y a beaucoup d'emprises qui ont été remises à niveau.